rentrer dans la dernière ligne droite et aller maintenant franchir la dernière difficulté. Konig Drive, le numéro 5, est le meilleur, mais le 4, Spitfire, qui se lance à sa poursuite. La lutte pour la victoire entre ces deux-là. Konig Drive côté corde, Spitfire à son extérieur, avec en troisième position à l'extérieur, Étoile des As qui chute à l'instant même. Konig Drive réaccélérant maintenant devant Spitfire qui est en deuxième position, alors que le numéro 2, 5% termine de mieux en mieux complètement à l'extérieur. La victoire pour le numéro 5, Konig Drive, qui s'impose dans le prix Antoine de Palamini. Deuxième victoire consécutive dans cette course pour Guy Cherel.